Les villes actuelles héritent de plusieurs décennies de densification là, avec des matériaux de type bitume, béton. On a consommé beaucoup de terres agricoles qui ont diminué la capacité des sols à absorber l'eau de pluie. Et du coup, on se retrouve avec des vrais soucis d'orage, notamment, avec des réseaux qui ne sont pas capables d'absorber les quantités d'eau qui surviennent lors des orages. Donc c'est une problématique très importante pour l'aménagement urbain. Les nouveaux projets essayent de prendre en compte cette donnée en concevant dès le départ des sols et des aménagements qui récupèrent l'eau de pluie et qui font un stockage tampon avant de rejeter l'eau aux différents réseaux disponibles. Et donc on a cet outil de la balade urbaine qui permet d'aller voir ensemble ces différents aménagements dans leurs dimensions, dans leurs couleurs, dans leur matière, dans leur la technicité du dispositif. Et c'est vraiment un moment qui permet d'être ensemble dans l'espace, qui est beaucoup plus parlant, beaucoup plus efficace que toutes les conférences et les projections de diaporama qu'on peut faire, parce que du coup on l'expérimente vraiment physiquement avec le corps. Et donc le temps de la balade urbaine permet de rassembler des publics qui vont avoir des regards différents sur ce dispositif, sur ces espaces, avec des techniciens, des habitants. Et l'aménagement d'un espace public pour récupérer l'eau de pluie est pédagogique. Sur Terre, on vit dans deux dimensions. Il y a la dimension air et la dimension sous l'eau. Nos cinq sens sont modifiés. Peindre, mais créer dans l'eau, il y a des gens qui font de la photo, il y a des gens qui font de la recherche, qui font de la musique aussi, qui font des recherches acoustiques. Ça permet de développer des sens, de découvrir aussi des sens qui ne se sont pas épanouis dans la physique de l'air. Sur Terre, on est collé au sol, on marche, et avec la force d'attraction, on est constamment collé au sol. Et si on veut s'élever, on est obligé de prendre un escalier, un ascenseur, mais on peut pas lâcher le sol, on est collé. Alors que sous l'eau, il suffit d'une inspiration pour qu'on s'élève. Et donc, on se déplace dans un volume à trois dimensions. Et à partir du moment où on se déplace dans un volume à trois dimensions, eh ben, la conception qu'on a de notre corps, elle est modifiée. Surtout, ça fait des milliers d'années qu'on vit exclusivement dans le monde de l'air. Et avec cette capacité d'aller sous l'eau, maintenant, on a accès à la dimension de notre planète. Et surtout, l'eau, en fait, l'humanité, elle se dessèche, quoi. On vit trop dans l'air. On a besoin d'humidité, on a besoin de comprendre ce que c'est que l'eau et ce que l'eau nous apporte aussi, c'est fabuleux, quoi. On a tellement, tellement à apprendre de choses par rapport à l'eau que c'est fantastique. Here we are traveling on a boat in Paris, and you can see here all the signs of urbanization along the bank. So we've passed concrete factories and building materials and building. And you might think that the Seine is a factory. It's a channel to help us build and use our knowledge to change the environment. But of course, that's not what the Seine is. The Seine is also a river of trees, a vital waterway that connects France, and that helps bring the climate, brings rain to the climate, and that travels water right through the country. So we're seeing here two banks, one of knowledge, the other side of experience, one of objectivity, the other of subjectivity. And that's been the theme throughout the conference. And the question is, how do we join these two things of knowledge and experience, subject and object, which have been divided the last 350 years, especially since Newton tried to establish a mathematical science that separated itself from wholeness or the experience of living. And what Newton tried to do was establish an objective world which we could understand and explain and change and control without limit, without repercussion, and that eventually we would get to a perfect society. But modern science says that isn't true. There is no objective world.
and that we are part of the world, and we have to understand our place in that world, that we cannot limitlessly change it. And so the river gives a great example of what it means to live in a heritage that belongs to our heart, that isn't simply a knowledge of how we can understand and change things. And if we pay attention to this knowledge in our heart, we understand that nature has a way, that the river has a way, that water has a way we can work with, and in that way we can make a better landscape, a better relation to the nature, and a better relation to humanity and each other. So one way that we've found to describe this is that there are two ways of approaching the world. One is to externalize it and use measurement to create this world of roads and factories and cement and buildings. But there is another way of understanding the world through internalization, which is understanding the world for ourselves and the sense it makes and the contribution we can make to the world. And so when we follow this way of internalization, we see that that's what every living being is doing. Every tree is finding a way to live in the world in relation to its context and its environment. And that for us too as humans, we can find a way to live in relation to the world, in the pattern of how all the different living beings, how the water, how the rocks and the climate all work together to produce this miracle and unity of life. So for me, that's what this boat trip and this conference is about, is how do we return to that wisdom that's coming from our heart and balance this understanding from our mind of this externalization of the world into how we can change it and make an external sense of planets and solar systems and galaxies and the Earth simply as something we can change. So it's a invitation to move inside and to make sense from the world, from what is alive within us, and to connect with that to what is alive around us. So hopefully we're now passing some trees, and that this is a good metaphor for how the trip is progressing from the concrete to the natural and to the alive potential of who we are as human beings and the world in which we live. Ne prennent quasiment jamais le bateau, ne serait-ce qu'une fois par an. Ce qui est une grave anomalie, puisque ça, selon moi, d'après mes observations, ça porte atteinte à la représentation du territoire, puisqu'en ne connaissant pas les rivières du territoire sur lequel on est, on n'accède pas à une connaissance sur le lien très fort qu'il y a entre l'histoire des civilisations, l'histoire des cités, les cités-états notamment telles que Paris, et le lien qu'il y a avec le fleuve. Aucune cité n'a pu se développer sans un fleuve. Et le fait que les Franciliens ne naviguent très 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 rarement, voire jamais sur la Seine, sur la Marne, sur l'Oise, souligne qu'ils sont privés de ce regard qu'ils peuvent avoir sur la cité à partir du fleuve, qui pourrait pourtant leur permettre de mieux prendre conscience de l'échelle de temps dans laquelle se trouve la société à laquelle ils participent. Et c'est, de mon point de vue, un handicap majeur, en fait. Et donc, du coup, c'est devenu, en partant d'un projet de péniche pour la paix, c'est devenu un combat que de revendiquer l'idée de rendre accessible à tous le fleuve dans la ville et hors de la ville, en banlieue, pour contribuer justement à cette meilleure connaissance de notre environnement et bien sûr à un meilleur respect, puisque du coup, en découvrant la rivière,
les stations de pompage d'eau pour la production d'eau potable, le problème des pollutions, à un autre rythme puisqu'on est dans un autre espace-temps, on navigue lentement entre 6 et 10 km/h. Donc du coup, un trajet banlieue-Paris qui peut se faire en quelques minutes, en bateau, va se faire en plusieurs demi-heures, plusieurs heures. Et donc tout du long du parcours, on peut faire un travail de sensibilisation, ce qu'on ne peut absolument pas faire dans les transports beaucoup plus rapides.